Chers amis, bonjour. Nous sommes donc dans cette période entre Pessah et Shavuot, entre Pâques et Pentecôte, et dans ce que la Bible appelle le temps des sept semaines. C'est d'ailleurs le sens de Shavuot, qui veut dire semaine, et qui correspond au don de la Torah pour Israël. 50 jours donc nous séparent des deux fêtes du printemps. Et donc nous sommes dans le temps des prémices. Lisons pour cela Lévitique 23. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. La tradition juive parle du comptage du Homer. En fait, Homer, c'est le sens de gerbe, ou la signification. C'est le comptage des jours et des 7 semaines qui nous séparent des deux fêtes, jusqu'à la révélation donc de la Torah au mont Sinaï. Et il y a pour eux donc une ardente, le fait de compter chaque jour, une ardente attente de ce jour du don de la Torah du ciel. Alors que représente pour nous ce temps? Lisons Lévitique 23:17. Vous apporterez de vos demeures deux pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Il faut savoir que, plutôt la Bible nous dit que pendant 40 jours, le Seigneur, après sa résurrection, a parlé, a discuté avec ses disciples. Nous lisons cela dans Acte 1. Et il a pris du temps, le verset 3 notamment, il leur a donné des preuves de sa résurrection, leur parlant des choses qui concernent le royaume. 40 jours, c'est long. C'est beaucoup. Qu'est-ce que le Seigneur a pu leur partager durant plus d'un mois? Et ensuite, il leur demande d'attendre ce que le Père a promis, c'est-à-dire être baptisé du Saint-Esprit. Et les disciples questionnent enfin, « Mais est-ce en ce temps où tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Donc nous savons que Jésus n'a pas vraiment répondu, disant simplement, « Ça, cela appartient au Père, à lui appartient l'autorité » et la décision concernant les temps et les dates. Lisons également Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Alors, les prémices de la résurrection. En hébreu, « Bikurim l'Adonai », c'est-à-dire les premiers fruits qui sont donnés à l'Éternel. Et il y a ce qu'on appelle la fête des prémices. C'est le temps du début de la moisson de l'orge, au printemps. L'Omer, c'est la gerbe de blé d'orge. Et cela nous parle de la résurrection de Christ. Il est le principe de la résurrection en hébreu « Reshit Abikurim ». Et la résurrection de ceux qui lui appartiennent, lisons pour cela 1 Corinthiens 15, 23 dans la version Semeur. Cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Donc Christ est le premier fruit, je disais en hébreu, Reshit Abikurim, de la moisson qui est à venir. Alors ce passage nous parle de l'enlèvement, nous sommes attirés vers le ciel pour rencontrer le Seigneur de gloire, et cela sera suivi de l'avènement du Seigneur en gloire qui va établir le royaume terrestre millénaire. Bikurim. Bikurim a la même racine que Bechor, qui signifie le premier-né. Or, du temps de Moïse, Dieu a décidé de prendre pour lui tous les premiers-nés des enfants d'Israël. C'est également un principe divin. C'est la loi de la Bechora, c'est-à-dire le droit d'aînesse. Exode 13:1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. » Il m'appartient. Puis nous voyons que lors de la formation des tribus, Dieu prend les Lévites comme premiers-nés. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël, à la place de tous les premiers-nés,
des premiers-nés des enfants d'Israël. Et les Lévites m'appartiendront. » Les Lévites sont les sacrificateurs pour Dieu, pour servir l'Éternel. Et nous sommes donc ces sacrificateurs, ces Lévites, pour célébrer sa gloire, selon Éphésiens 1, selon Apocalypse 5, 10 également. Nous sommes tous choisis de Dieu, premiers-nés, élus. Et il y a un autre sens dans le terme de lévaquer, c'est-à-dire d'où vient le mot béror. Cela signifie mûrir. Donc ça veut dire que nous devons mûrir et être accomplis. Alors disons que Shavuot, c'est le temps de l'Église. Nous sommes les prémices de la moisson à venir qui viendra à Sukkot en automne. Et ce sera le temps du royaume millénaire. Alors faisons un bref résumé. Pessah, c'est l'œuvre de la croix, spirituellement parlant. C'est l'œuvre unilatérale de Dieu. Il m'a choisi, il m'a pardonné par grâce. La mer rouge, par contre, c'est l'image du baptême. Je m'approprie le salut, c'est ma décision. Et Shavuot, c'est le don de la Torah, et en ce qui nous concerne, c'est le baptême du Saint-Esprit et l'établissement de l'Église. En sachant que, en dernier lieu, Canaan, la terre promise, c'est le royaume millénaire. Il y a un terme que André Chouraki, qui a écrit une version de la Bible, il utilise une expression extraordinaire. Nous sommes des fendeurs de matrice. C'est-à-dire le premier-né, c'est celui qui ouvre la matrice, c'est celui qui fend la matrice, qui sort le premier du ventre de la mère. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit « Quelle brèche tu as faite ?» Et elle lui donna le nom de Pérets. Pérets, c'est dans la généalogie messianique. Il était le deuxième, mais il est sorti le premier. Donc ça montre une détermination. Et il y a ce verset dans Matthieu 11, 12 qui dit « Ce sont les violents qui s'emparent du royaume ». Donc c'est une qualité qui doit nous parler, la détermination concernant le droit d'aînesse. Un autre exemple, c'est celui de Jacob. Jacob était le deuxième, mais Dieu dit « ce sera le premier ». Ou plutôt, c'est lui à qui sera assujetti le deuxième. Lisons Genèse 25, 26. « Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. » En fait, Yaakov, Jacob, vient du mot Ekev qui veut dire le talon. Jacob tenait le talon d'Ésaü. Il y a un sens très intéressant. Rebecca savait que le plus grand serait assujetti au plus petit selon le verset 23. Mais c'est donc à Jacob qui était prévu d'avoir la Bechora, c'est-à-dire le droit d'aînesse. Et alors qu'Ésaü a méprisé le droit d'aînesse, Jacob fit tout pour l'obtenir, nous connaissons l'histoire. Mais également, il a combattu l'ange jusqu'au matin sans lâcher prise. Rappelez-vous cette histoire de l'ange avec qui il combat. Jacob était déterminé à être béni. Genèse 32, 26. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » En résumé, les amis, nous devons être les prémices de la résurrection. Et donc c'est cette gerbe, Omer. Nous sommes quelque part des petits Christ ressuscités, et cela parle de la communauté de l'Église. Christ est le Réchit, il est le premier, il est le principe d'une vie nouvelle, et donc nous devons vivre comme étant dans le ciel, ou plutôt du ciel. Et sachez qu'en voyant les choses d'en haut, les soucis sont plus petits. Dieu constitue sa gerbe, son épouse. Et pour finir, nous sommes les prémices à l'Éternel, Bikurim l'Adonai. Nous sommes appelés à servir Dieu et à comprendre le mystère de sa volonté, c'est-à-dire de réunir les choses qui sont du ciel avec celles qui sont en bas, c'est-à-dire de faire de deux peuples un seul. C'est le sens de la troisième fête de l'Éternel, Sukkot.
Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.